Bonjour tout le monde, c'est toujours Irita, votre humble serviteur. Bien que je vais parler, hein, je vais beaucoup parler même, mais je préfère vous laisser regarder d'abord les différentes images d'inondations ici à Abidjan, et puis après je réagis, parce que j'ai beaucoup à dire. Hein. Voilà, aujourd'hui on ne parle pas du showbiz, on parle d'un cas très 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 sérieux ici en Côte d'Ivoire, donc bon visionnage, et puis on se prend juste après le générique. Ça me pousse, hein. Ouais, il n'y a pas courant dans l'eau là. Il y a courant, il n'y a qu'à lever là. Là, là, c'est. Si ça a pris quoi là? C'est la mort totale, il n'y a pas. Plaquez les filets là. La traversée du pont. Ouais, courage à tous. Combien ils vont construire le pont là? Kilomètre 17, Côte d'Ivoire. Yo, Bougo, Bougo. Ouais. On pousse voiture maintenant. C'est pas du jeu. Soja, ça tombe, ça met. Petit pont qu'on ne peut pas finir. Donc, on va donner un chéréché. On va donner un chéréché. Tiens, voiture, allez là. Putain. Je n'ai pas carton, faut rester à la maison aujourd'hui. Mais c'était plutôt facile, tiens. Y'a rien dedans. Wow. Les gendarmes. Traverser, y'a rien dedans. Voilà, bon retour chers abonnés, bon retour à tous. C'est toujours votre MC Vité Héritor. Aujourd'hui, on ne parle pas showbiz. Voilà, aujourd'hui, on parle d'inondation. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez bien vu les images. Et c'est invraisemblable, c'est incompréhensible. Parce que moi, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas fait d'études en travaux publics et bâtiments. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Parce que je me dis quand même, c'est quand même des experts qui ont tracé ces routes. C'est quand même des experts qui ont... fait toutes ces infrastructures. Voilà, voilà, c'est des mots qui fatiguent aussi. Bref, pourquoi je vais réagir? Je réagis d'abord, pas pour défendre, mais pour dire une certaine vérité. Généralement, quand je vois ces images d'inondation que je vois dans les commentaires, la plupart des internautes s'attaquent au président. Voilà, je dirais même pas au ministre de tutelle, mais au président directement. Comme quoi, il passe son temps à faire des routes, mais apparemment, les routes se font mal, sans études et tout ça, et puis à tous ces dégâts-là. Vous avez raison d'une part, je comprends votre mécontentement, mais fort est de dire, de reconnaître que ce n'est pas la faute du président, en fait.
Voilà, c'est pas la faute du président. Le président, lui, il se charge de trouver les moyens, les fonds pour pouvoir réaliser tous ces grands projets que vous voyez dans la ville. Vous comprenez un peu? Maintenant, on dira que c'est la mauvaise foi des sociétés qui ont pour engagement de réaliser ces projets-là. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que moi, je suis pourvoyeur de fonds. Je vous mets les fonds à disposition pour réaliser une œuvre. Je pense, pour ma part, qu'il doit avoir une étude de terrain. Il doit avoir un plan bien établi. Voilà. On doit se dire que si on trace ces routes-là comme ça, quand on fait des canalisations de peut-être de 20 cm, et est-ce que en cas de forte pluie, ça va créer des inondations? Si on fait une route qu'on ne fait pas de canalisation aux extrémités, ça ne va pas créer d'onglet. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une étude en fait. Mais malheureusement, il faut être constater que ça ne se fait pas. Parce que l'image qui m'a le plus choqué, c'est l'inondation sous l'échangeur. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, avant l'échangeur, je n'avais pas écho d'une inondation à ce niveau-là. Vous comprenez un peu? Donc, moi, très sincèrement, je ne comprends pas. Est-ce une manière de pouvoir salir ou boycotter le président en place, et qui n'est autre que le président Alassane Ouattara, ou est-ce juste de la mauvaise foi? Parce que je pense pour ma part que beaucoup de milliards sont déboursés pour ces routes, ces canalisations et tout ça. Parce que je pense pour ma part que le président a pour objectif de refaire Abidjan, pour ne pas dire d'améliorer un peu les infrastructures routières de la ville. Donc, pour ma part, si ce dernier-là met des fonds à disposition, même si nous ne l'aimons pas à l'unanimité ou bien en partie, ou si nous tous nous ne l'aimons pas, il faut reconnaître quand même les efforts que ce monsieur l'a fait. Voilà. Je ne veux pas comprendre qu'on débousse de l'argent pour faire des choses et après, il y a des vecteurs qui vont venir nous dire que le travail n'a pas été bien fait. Surtout le plus grand vecteur qui ne cesse d'ennuyer ces sociétés de travaux publics là, c'est la pluie. Ils vont vous faire un goudron. Tant qu'il y a le soleil, ça va. Mais il suffit d'une petite pluie pour que ce goudron là se frite. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que les gens disent? Non, c'est le président Addo avec son faux goudron là. Donc moi, j'ai observé, mais vous savez que je me prononce rarement sur ce genre de sujet là. Mais je tenais à faire cette vidéo là, pas pour défendre le gouvernement, parce que le gouvernement aussi a sa part de responsabilité dans cette histoire, mais pour dire que la faute n'est pas forcément au président. La faute n'est même pas forcément à son ministre. Parce que je pense pour ma part que moi étant président, quand je charge un ministère de ce genre de travaux là, pour le minimum de considération et de respect que ce ministère-là et le ministre même de ce ministère en question a pour moi, il ne va pas s'hasarder ou s'amuser à aller prendre un prestataire à la va-t'asseoir pour venir faire un travail à la va-vite. Non, je ne pense pas. Donc, je pense pour ma part que c'est une question de mauvaise foi. Voilà. Plus on fait le goudron de façon, on dira, simple, banale, plus on a de gros bénéfices. Plus on fait des routes sans faire des canalisations ou que on sera pas obligé d'acheter de gros caniveaux à grande épaisseur pour que l'eau de ruissellement puisse couler dedans pour éviter les inondations. On fait des gros bénéfices. C'est dommage, mais c'est le constat. Et moi, je tenais à dénoncer cela et à dire aux internautes, surtout la population de Côte d'Ivoire, que vous avez peut-être des problèmes perso avec le gouvernement en place, mais quand le gouvernement est en train de travailler, il faut reconnaître qu'ils sont en train de travailler. Voilà, c'est pas de la fête parce que le président Alassane Ouattara ne vient pas sur les routes pour vérifier la qualité du goudron. Je pense que lorsqu'on remet un marché, ou bien lorsqu'on donne un marché à un prestataire, pour sa conscience professionnelle, je pense que ce prestataire-là a pour devoir de bien faire le travail. Voilà. Parce que tôt ou tard, la pluie nous dira s'il a fait un bon ou un mauvais travail. Et toutes ces inondations-là, c'est à cause de ça en fait. C'est pas le président Alassane Ouattara. Il a fait sa part. Il a décaissé des fonds. Il a trouvé des financements pour tous ces grands travaux-là. Je pense pour ma part que les prestataires doivent faire aussi leur travail. Je n'ai jamais vu. Je ne peux pas comprendre qu'avec toutes ces routes qui se créent de nos jours ici à Abidjan, il peut avoir autant d'inondations. Les inondations, on sait que ça a existé. Mais pour cette année-là, ça fait peur et c'est récurrent. en pleine ville d'Abidjan, vous pouvez concevoir qu'il y a de l'inondation jusqu'à ce que l'eau arrive à la taille.
de personnes adultes. Les conséquences, c'est quoi? Ça va emporter des enfants qui n'ont pas la force du courant pour résister au courant d'eau. Et ça va créer des écroulements d'immeubles. Ça va ravager, casser certaines maisons. Bref, ça va tuer un certain nombre de la population. Parce que les inondations tuent. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour dire que le président n'a rien à voir dans cette histoire. Il faut s'en prendre aux prestataires. Parce qu'on leur a remis l'argent pour faire le travail. Ils devaient bien le faire. Maintenant, si l'argent qu'on leur a remis ne suffisait pas et qu'ils ont fait selon le moyen qu'ils ont reçu, qu'ils nous le disent. Parce que ça ne peut pas rester impunément quand même. Moi, j'ai ce droit-là de demander même des comptes au gouvernement. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais comme on est dans des pays africains, on se dit que non, le gouvernement, ce sont les rois. Non, c'est nous qui faisons les rois. C'est nous qui faisons le président. C'est nous qui l'avons mis là. Donc, il a des comptes à nous rendre. Voilà. C'est vrai que c'est le pouvoir exécutif, mais il a des comptes à nous rendre. Donc, il faut que ces histoires d'inondation-là, vraiment, soient réglées au plus tôt. Parce que plus on avance, elles deviennent de plus en plus graves. Et c'est inconcevable. Et moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. Vous qui êtes d'accord, vous pouvez partager la vidéo pour que même le président voit, pour que son gouvernement voit, pour que ses prestataires-là même puissent voir. Mais il faut vraiment partager la vidéo et puis donner aussi votre avis en commentaire par rapport à ce que je viens de dire. Parce que c'est pas normal. Voilà. C'était votre MCVT Héritor. Et on se prend en coup de journée pour les showbiz que vous aimez.